Te rendons.
Te rendant.
Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, le vrai Dieu de toute éternité. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment lieu côté ou à côté l'édition Hébreux 13:8 TV chaque jeudi. À la même heure, 7h30 pour 9h. Nous gagnons une heure de temps d'étude, d'enseignement sur la parole de Dieu. Nous gagnons comme grand thème, nous, c'est le livre des livres. C'est un plaisir pour nous communiquer parole avec vous, ou même qui vraiment intéressé avec la parole de Dieu. Nous saluer vous et nous remercier vous le fait que vous bail temps pour capable écouter la parole de Dieu. Non pan c'est David Sirai, ambassadeur de Jésus-Christ, le vrai Dieu de toute éternité. Et nous avons plaisir pour nous capables de saluer tout PDG radio qui relaye l'émission ça. Chaque bien-aimé qui a une responsabilité pour capable partager édition Hébreux 13:8 TV pour permettre plusieurs prédestinés, plusieurs rachetés par le sang de Christ capable de continuer à écouter parole. Eh bien, nous saluons vous et nous espérons que vous êtes capable de continuer à suivre. Et pour vous même qui à peine branché, qui joignent ministère ça, ou capable notamment joignez avec nous sur YouTube, ou capable de taper Hébreux 13:8 TV. Capable de joindre avec nous sur Facebook, justement taper Hébreux 13:8 TV ou bien taper David Sirai. Et bien comme à l'ordinaire, nous toujours gagné et animatrice avec nous, Sœur Bernadette et Sœur Carole Nazaire, Yola. Et bien, on nous laisse yo faire partition pa yo. Que le Seigneur capable bénir tout le monde qui a écouté et n'a souhaité bonne audition. Restez branchés. Sœur Bernadette, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur David. Dans le plus grand nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car la vie éternelle, c'est qu'il se connaisse lui comme le seul vrai Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Dans le plus grand nom de toute la terre, moi, salue tout bien-aimé auditeur auditrice, qui s'est branché et qui toujours branché auditeur et auditrice aussi. Inspecteur Bernadette Mathurin, une collaboratrice auditeur et auditrice de Boston. Moi, salue Pasteur David Sirai et Pasteur Émile Sénou, bien-aimé engagé pour proclamer l'évangile, parole du pas de notre Seigneur Jésus. Et nous saluons une petite année à tous les collaborateurs et nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est maintenant en vie pour nous continuer le travail. Et nous parlons de nous encore tous pour la plus grande gloire de Dieu. Seigneur, à tes lots, il y en a qu'à toi. Tu as les paroles de la vie éternelle et nous ne
nous avons cru et nous avons connu que tu as détruit le tout du Saint-Esprit. Seigneur, à quel il y a nous qu'à toi, il y a la parole de la vie éternelle, et nous ne savons plus, et nous avons à ce qu'il vit, rien à craindre, mais là demain, sans assurer, entre ses mains, à cet arrêt, la qualité de ce qui nous vit, à ce qui vit, je ne viens la croire, mais la semaine. Sans assurer à tous ses mains, il tient ma vie à cet arrêt, l'éternité, je sais entre ses mains. Il est ma vie, cette de ce qui, cette de ce qui. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Est-ce que nous passons six semaines passées, nous sommes manqués sur Bernadette. Alléluia. Ça fait la continue de prier, bon Dieu, pour nous, que bon Dieu garde, nous protéger, pour un point, nous, pour qu'à toujours la paix, pour que nous attendons, bon sens à être. Bon Dieu bénis nous. Parce que cette parole, moi, content que moi, là, ensemble avec nous, on soit encore comme nos participants. Notre travail, bon Dieu, on salue ou non, non, Jésus, non, si plus haut que tout notre nom, bon Dieu, bénir, et là, on peut attendre la parole de Dieu, pour nous, lui-même, on a bien lecture, nous, que nous avons la Hébreu, chapitre 2, à partir du verset 1er à 18. Hébreu, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une suite rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par
ceux qui l'ont entendu. Dieu a pu en leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, qui prévient selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Cependant, ne voyons pas encore maintenant que toute chose nous soit soumise. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le croyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui est en plus de toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de choses, et pas à la perfection par les souffrances après de leur salut, car celui qui s'est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés, c'est tout ce qui est seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai à ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. Ainsi donc, puisque les enfants participent au pain et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux-ci par crainte de la mort et que toute leur vie retenue dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qui conduit en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dit au grandi semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux Dieu et fidèle dans le service de Dieu. Je prends l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parole du Seigneur. Merci, sœur Carole Nazaire. Merci, la sœur Bernadette Mathurin. Bon travail, que le Seigneur capable bénir nous. N'a demandé nous capable de rester branchés. Émission Hébreu 13 TV qui vient la donne le livre des livres chaque jeudi. Entre temps, n'a mando rete connecté émission hein? Et dans ce crasse moment, n'a retourné pour nous capable vin parler de la parole faite chère. Rete branché, n'a tourné. Yeah.
nous retourner, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, nous retourner pour nous capables parler de la parole faite chair. Nous retourner pour nous capables parler de yon parole parmi tout ça que t'es capable parler. Ça plus important que tout ça que t'es capable dire à travers le monde. Et l'homme pas vivre seulement de pain, mais l'homme aussi vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en d'autres textes, non? Dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ t'es fait déclaration ça. Après quoi, le diable, Satan le diable, t'es venu tenter. Mais pratiquement, Hébreux 13:8 TV prêchait que le Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment le véritable Dieu. Pas d'autre. Mais voilà que le Seigneur Jésus-Christ annonçait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vive à travers de la parole de Dieu. Et le Seigneur pas de problème avec ça, li connaît que l'homme besoin manger naturellement. L'homme besoin manger. Et là, l'homme manger, pour qui ça? Pour qui raison l'homme manger? Donc, je pense que c'est yon question que tout le monde à travers le monde qui répond. L'homme li mange pour nourrir corps. L'homme mange pour nourrir corps. Et c'est très important si l'homme pas mangé, donc l'homme affaibli. C'est ça qui kembe l'homme. L'homme besoin manger. L'homme besoin protéines. L'homme besoin tout ça qui kembe corps. Mais voilà, l'homme prend soin corps. Et bah important ça. Et voilà que l'homme oublie que ligue en l'autre partie dans vie qui besoin nourrir. Non, l'homme besoin nourrir. Raison parce que dans l'homme, dans la vie de l'homme, il y a un trou, il y a un vide
pénétrer dans le cœur de l'homme. Et vide ça, il n'y a pas qu'à combler avec une belle plate maïs moulé, sauce pois, légumes. Jean, mesdames, yo, qu'on prépare, monsieur, yo tout. Non, mou pas qu'à combler avec yon belle plate du riz, sauce pois, légumes. Non, mou pas qu'à combler et avec yon belle bouteille whisky. Au Kembe ou ap enjoy you. Donc ça yo c'est pour corps. Corps li besoin soin notamment. If so facto que corps a besoin faut qu'on prend soin. Et c'est tout monde qui pas prend soin corps a tombé en défaillance. Corps affaibli et corps tombé malade. Et finalement, si pas gagné emergency qui fait pour corps nourri, donc corps ça pas gain vie là-dedans encore. Il pas gain vie. Ça veut dire corps là. Depuis le pas gain vie, eh bien, corps a tombé en pourriture, la malade, et donc corps là pas capable de faire rien. Donc entre temps, tout le monde qui a une possibilité et tout le monde t'a adoré prendre soin de corps, bal manger, nourrir. Prend toute protéine qui est capable de faire des corps, li normal pour capable de prendre soin de corps. Mais l'autre partie, c'est que nous qui avons vide, qui nous dit déjà, qui avons trou la donne. Et l'homme capable de réaliser que gon vide. Non, l'homme. C'est comme le corps humain qui besoin la nourriture. Et bien, le cœur de l'homme aussi, il y a un vide. Il y a un trou. Il a besoin de combler. Ou capable de faire expérience là que il y a tellement de trou la donne. Ou qu'on gagne tout bagaille. Ou gagne caillou, gagne machine, ou bon bel job. Et ou gagne les ou gagne tout acquis. Ou gagne tout acquis notamment qui à la portée. Et puis tout bonnement, je ne sais pas si capable de réaliser ça. Ou sentir un vide dans le cœur. Et vide ça, malgré tout ça, vous possédez. Vide là, il est venu avec tristesse. Il est venu avec découragement. Il vient avec la peine. Il vient avec la peur. Il vient avec le doute. Il vient à tout ça qui est capable porter un découragement total. Et voilà. Ou bien manger, n'est-ce pas? Ou bien caille, et bien machine, ou bien bel job. Donc, tout ça que vous êtes capable besoin pour le corps humain, lié à la portée. Voilà,
gagnent de frères avec sœurs qui coûtent là dans le ça et puis qui gon vide dans cœur. Et malgré yo aller kay docteur yo gen docteur yo fait check-up. Yo fait check-up de temps en temps. Mais voilà, vide ne toujours existé. Assoya li important pour capable réaliser vide là. Et au seul moyen, gon seule possibilité pour vide la combler. C'est la parole fait chair. C'est l'esprit de la parole qui l'a pour combler vide là. Si tu as constaté ça, ou pas besoin de faire autre chose, ou pas besoin de créer l'autre activité malgré l'autre activité, donc vide là toujours là. Donc yon seule possibilité que l'homme gagne pour combler vide là, même Jean le prend soin quoi, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi que le Seigneur Jésus-Christ lui te fait déclaration ça après le diable te vint tenter après 40 jours 40 nuits de jeûne. Et le diable qui connaît très bien le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est une fonction. Ok? C'est une fonction attribuée à une personnalité. C'est une fonction. Donc, il connaît très bien que il est le Fils de Dieu. Et voilà, il dit, si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Laissez-moi dire quelque chose à soi. Gon ennemi qui vraiment ruisé, gon ennemi qui vraiment est intelligent. Et si ou pas plus intelligent que lui, moi bien dit, gon ennemi qui est intelligent. Et si ou pas de capacité d'intelligence qui plus passe ennemi ça, et malgré au fait des années et ou capable dire maintenant Baptiste, ou capable dire donc maintenant yon nan religion yo, mais malgré ou bien longtemps nan yon nan religion yo, ennemi sa ki intelligent, si ou pas plus intelligent que li, donc finalement la fesse ou atè. Fok ou vraiment intelligent, et seule possibilité que vous gagnez pour plus intelligent, c'est nourrir avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, me reprendre ça. Seul moyen pour ne pas fesser à terre, pour ne pas frapper
c'est nourri avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Gimpil, auditeur, en pile internaute capcoutène à travers le monde, mais qui a posé question, mais comment me pral nourri avec la parole qui sort de la bouche de Dieu? Quelqu'un qui parle maintenant, c'est un homme. Un homme. Yon humain. Mais voilà, li dit pour me nourrir, pour me nourrir de la parole qui sort de la bouche. Mais de toute façon, c'est ça. C'est nourri de la parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que tout prophète nous yo qui était là avant, tout apôtre nous yo, tout des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, malgré les épreuves, yon nan bagay qui te rend yo victorieux, yo te vive, yo te nourri de la parole de Dieu. Et nous revenons au moment côté l'homme seulement prend soin corps, mais li pa prend soin nanm ni ki gon gros trou la donne. Nanm ni ki gon vide et qui besoin comblé. Et le Seigneur Jésus-Christ te bay modèle là. Et automatiquement, le diable te vine pour le tenter. Li te utilise parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais frère David, pourquoi vous dit que et le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai Dieu, comment de qui les vivent de la parole qui sort de la bouche de Dieu, et voilà, mais je dis, hein, ou dit que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, te vive de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vingon grande complexité, vingon grande confusion. Non. Rapidement, on a dit que le créateur de toutes choses, à travers toute la Bible, lit attribuer là des fonctions, il est toujours été le créateur de toutes choses, mais ça n'a pas empêché de prendre des fonctions dans chaque moment pour le capable instruire l'homme. Il prend fonction Père, mais le seul vrai Dieu. Il prend fonction Fils, mais il a toujours été le seul vrai Dieu. Il prend fonction Esprit, manifesté comme un esprit, comme un vent, comme un yon tempête, l'irrité comme le seul vrai Dieu. L'irrité en fonction comme avocat, l'irrité toujours été comme le seul vrai Dieu. Tout ça, yo, ce sont des fonctions. Mais ce ne sont pas des personnalités. L'irrité en fonction comme
comme commencement. Ce sont des fonctions. Li prend. Li attribue là des fonctions pour être capable d'instruire l'homme totalement qui est lié. Eh bien, le Fils ici, c'était une fonction attribuée à le vrai Dieu. Donc, fonction le Fils doit adresser à papa dans un langage vraiment spirituel, un langage royaume. Et pour te montrer nous, automatiquement nous-mêmes, nous, ou en face d'un ennemi, nous gagnons un ennemi, nous vivons avec un ennemi, faut que nous, intelligents, la seule possibilité que nous gagnons pour nous intelligents, c'est pour nous nourrir de la parole de Dieu. Il dit, il est vrai que moi, j'étais capable de faire roche la tout n'est pas parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit, mais elle dit l'homme l'aller au-delà de et nourriture qu'elle était capable de croire, donc il prend l'autre dimension. L'homme ne vit pas seulement des choses matérielles. L'homme va vivre seulement de pain pour nourrir quoi. Mais l'homme vive aussi, tous les deux importants, aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu qui déverse totalement en vous. Et ou rempli par cette parole, et à travers parole ça, depuis nous ou comblé par la parole de Dieu, par cet esprit, donc ou équilibré. Donc pas de problème pour prendre soin de quoi, mais en même temps, l'important pour nous, capable de nourrir de la parole de Dieu. Nous compose et nous retournons pour nous capables d'apporter développement et quelques développements pour vous-même, pour capable de comprendre très bien. Et mission et bout 38 TV sur les ondes. Restez branchés, n'a pas de j'ai besoin de toi, viens Jésus.
nous retourner pour nous capables et de comprendre comment pour capables nourrir de la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prenons une portion de l'écriture dans Jean 7 à partir paragraphe 15. Jean 7, paragraphe 15. Les Juifs s'étonnaient et disaient: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Juif, yo te vraiment dans l'étonnement pour yo te constater que le Fils de Dieu t'es nourri de la parole de Dieu. Parce que à l'époque, pour yon moun connaît la loi de Moïse, faut qu'on t'a l'école. Faut qu'on étudie vraiment la loi de Moïse. Donc, il y a un nombre de 613 lois et où tu as besoin de connaître tous les 613 lois et avec toute explication que tu dois gagner. Et voilà que disciples, yo même qui connaît que Jésus-Christ, alors le Fils de Dieu, chaque expression yo gagne enseigne pas enseignement pas l'ord dit le Fils de Dieu, faut qu'a expliquer l'ord dit le Seigneur Jésus-Christ, faut qu'a expliquer l'ord dit il est le fils d'Abraham, faut qu'a expliquer. Donc c'est là où nourrit de la parole de Dieu, et tant que le Fils de Dieu, yo connaît notamment que le Fils de Dieu li pap étudier. Et Odile, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Li pas passé dans aucune école. Et voilà, yon a gros erreur que frère nous avec ce nous fait. Yo comprenne que la parole qui sort de la bouche de Dieu, y a besoin dans la théologie. Pis gros erreur. Et c'est ça que mettez système évangélique là côté là. Non. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour l'école théologie qui baille. Nous allons regarder est-ce que Jésus-Christ, alors le Fils de Dieu, le Fils, est-ce que l'été allait dans l'école théologique? Non. Et Juifio, qui connaît très bien et le Fils de Dieu, donc yo connaît, yo connaît maman, yo connaît papa, et voilà, pour te connaître la parole, faut qu'il est à l'école. Mais voilà la Bible, la parole de Dieu montre que yo t'es étonné parce que yo connaît li pas étudié. Loyaux.
Maintenant, le Fils de Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, répondit, en garder pour nous, comment capable nourrir de la parole de Dieu. En garder. Paragraphe 16. Voilà, moi pas allé dans l'école théologique, moi pas étudié, mais cependant mon enseignement, ça veut dire ma doctrine n'est pas de moi. Mon enseignement étant que le Fils lui dit Juifio que enseignement doctrine que le recevoir là, il pas de lui. L'elle dit pas de lui, ça veut dire lui-même étant que chair maintenant, la parole étant que moun. Mais l'enseignement vient de celui qui m'a envoyé. Mais voilà, juif, je pas jamais moi celui qui voyait là tes chita avec un jour. Et yon te yon nan pi gwo mystère qui gagne à travers le monde. C'est ce livre qui c'est l'inspiration de Dieu une fois que ou c'est yon qui Dieu mandaté pour vivre la vie éternelle. Eh bien, ou pas besoin de l'école théologique pour comprendre la parole. Donc, ou besoin l'esprit de Dieu, son esprit, l'esprit de Dieu en nous. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, ben nous comme modèle, il dit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, l'esprit. Donc, enseignement vini de l'esprit, pas oublier, son père n'est pas humain, son père est esprit. Esprit a réclamé. En d'autres termes, faut l'esprit a réclamé pour comprendre langage, parole. Ça y est. Paragraphe 17. Parole là, montrer que le Seigneur, qui c'est le Fils, répond juifio. Il dit si quelqu'un veut faire sa volonté, n'importe moun qui t'a remé faire volonté papam, sa volonté qui t'a remé faire volonté l'esprit, qui t'a remé faire volonté créateur, pas oublier, le créateur n'est pas, c'est pas humain, c'est pas moun papa, le fils de Dieu, c'est pas un moun, mais c'est un esprit. Il Les dix juifio, si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Nous avons toujours fait un sondage, mais cependant, celui dont les paroles celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Les montrer juifio. Si parole pas nous yo, venez de nous-mêmes. Et si parole pas mieux vini de du père ou bien de créateur, donc là nous ca comprendre qui ça qui vrai. Ça veut dire si parole que nous gagne enseignement que nous gagne li sorti de propre nous-mêmes propre le non non nous-mêmes, soit dans l'école théologique quelconque, donc parole ça pas vrai. Mais si parole la sortie, non papam,
parole ça livrée. De bonnes paroles. Yo pas capable la parole de Dieu. Voyons, yo pas capable la parole de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ t'a montré lui même qui pas étudié, lui pas dans l'école théologique et lui montrer côté parole la sortie comment faire nourrir de la parole de Dieu. Donc lui montrer que parole ça sont paroles qui vont. Il dit il n'y a pas d'injustice en lui, moun qui bal parole ça c'est papa l'esprit et personnage ça pas gagné injustice dans lui. Ouais comment le monde majorité dans nous recevoir des paroles dans mais les hommes pas oublier les hommes bourrés d'injustice. Et nous avons circulé à travers le monde, nous avons dit nous avons parole de Dieu dans nous, tandis que parole ça y est venu de l'école théologique qui fabriquée par les hommes. Et dans le verset 19, le Fils qui est le Seigneur Jésus-Christ dit Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi. Il dit, est-ce que Moïse pas ban nous la loi? Oui, pour un pile bien-aimé qui voulait pratiquer loi, mon Dieu, mais loi Moïse. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Il répond pour dire, mais nul de vous ne pratique la loi. Et puis le Seigneur qui est le Fils posait question ça à yo nourriture pas la venue de Dieu, il n'est pas venu de l'homme. Et pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Après une telle question, Léo constatait que l'Esprit, que le Fils, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, nourri de la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, les nourri de l'enseignement qui sort de la parole, de la bouche de Dieu. Donc, yo, entendio pour yo touyer Jésus. Et foule la répondre, pour nous capables, quitter où? Dans le verset 20, faut la répondre. Tu as un démon. Foul la dit, mais ou bon démon. Ça veut dire où son nègre. L'esprit mouillé. Ou pas gon bon l'esprit sous nous. Ou trouble son monde fou qui ouye. Il dit, tu as un démon. Et le Jésus-Christ répond foule. Il dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j'ai rendu à la santé un homme tout entier pendant le sabbat. Donc, le Fils, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui va recevoir nourriture par là dans les hommes, que ça les hommes fabriquaient, yo ba non paquet. Et l'évangile fabriqué,
yo ba nou yon paquet d'oim, un paquet mythologie, donc que nous lever joine et j'ai le Seigneur Jésus-Christ comme le Fils qui par recevoir enseignement de qui que ce soit et lui fait un miracle qui étonnait tout le monde. Zami k'ap koute Hébreux 13:8 TV n'a encouragé ou donc ou pas besoin aller nulle part. N'a aidé ou comprendre que justement abandonner ça les hommes fabriqués yo tel que religion yo qui servi nous yon cancer qui servi nous yon dogme qui servi nous yon maladie yon li servi nous de yon maladie qui en permanence que nous pas jamais guéri malgré que nous aller dans l'école théologique nous gêner nous fait veille de nuit nous fait des réveils nous fait des croisades mais nous toujours gagnons vide dans que nous et n'a dit que bien-aimé frère ou qu'a parlé avec moi moi t'ai gagné vide ça tout vide là t'es là dans que li pat ka combler il t'ai porté toutes sortes de maladies et nous ka comprendre l'aime parler de toutes sortes de maladies il t'ai porté maladie envie ou connaît leur envie c'est une maladie et une maladie qui est les jalousies il t'ai porté tout ça maladie et raï parler moun mal tout ça maladie toutes sortes de maladies li te pote nan kèm et me serais certain que si vide ça pas comblé avec la parole de Dieu donc tout moun k'ap koute m la gen vide là mais un jour moi t'ai abandonné la religion. Moi t'ai abandonné la religion complètement. Moi pas trouvé rang social maintenant parmi les pasteurs, les frères, moun qui te connaît longtemps dans la religion. Moi t'ai d'accord pour me rester pour compte moi pour me recevoir l'enseignement que le Fils qui c'est le Seigneur Jésus-Christ te recevoir dans mes papal. Et à partir de cette date, vide ça t'est comblé. La peur de disparaître, jalousie de disparaître, tous les envies de disparaître, et autres, tout ça, l'apôtre Paul est inspiré dans Galates 5, t'est disparaître, et vide là t'est comblé. Et qu'on y a moins libre. Pendant un pile bien aimé qui a coûté ma travail quatre coins le monde tout qui fait même travail à me penser yo libre. Et c'est ça. Et serviteur a dit à travers parole là non Jean chapitre 8 36 si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Si le Fils rend nous libre, quitte recevoir la doctrine de son Père, eh bien, il rend nous libre, ouvre réellement libre. Et pour un pile bien-aimé, moi pas esclave aucune religion, pas esclave jeune, pas esclave de nuit, pas esclave la dîme, pas esclave bouler l'encens, pas esclave
absolument rien. Parce que le Fils a franchi et moi libre. Et bien, you know, non, dans la position qu'on doit prendre à soi, détaché de toute religion, pas oublier. Il y a un pile bien-aimé qui fait la religion, c'est parce que il la donne longtemps. Il y a un pile d'amis la donne. Mais il oublie que si il était détaché de tout ça, il était resté pour compte avec le Seigneur, l'Esprit a été instruit aux paroles. Il n'a pas besoin de temps au pasteur. Il n'a pas besoin de aucun monde. Je dis à ou tape libre ou pas tape esclave. Vide qui en dans cœur là, qui en dans amour tape comblé. Et pour me quitter ou peut-être vous dit mais faut me tendre au monde. Je dis à nous besoin des hommes et des femmes qui attendent la parole mais qui déjà connent la parole. Il pas ta bon pour ces ministères et très vite qui prend apprendre la parole. Mais on connaît la parole et puis ambiance là et motiver nous toutes et puis nous uniquement et brancher pour nous capable continuer à manifester présence là qui dans la vie nous tout simplement mais pas pour apprendre la parole. Et prophétie a été bail à travers Jérémie dans Jérémie 31 Jérémie 31. Et Jérémie 31. À partir du paragraphe 31, il dit: voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ou on va bien un professeur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ou pas besoin pasteur. Si vous besoin pasteur, ou besoin pasteur qui pour motiver aux paroles là que vous déjà gagné. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai sur leur cœur. Well. Donc, avant, parole la te écrit dans le cœur, moi te gon vide, moi te troublé. M'pas de jambes satisfait, malgré mal dans le réveil, croisade, la prière, by dim. Regardez, prouver que m'son son bon frère. Vide la te toujours là. Mais le jour où, et promesse la te accompli dans le cœur, je. À savoir, maître du ciel et de la terre, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, eh bien, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et puis, moi, je n'ai pas besoin de professeur, mais ça, dit prophétie accomplie. En paragraphe 34, celui-ci n'enseignera plus son prochain. Celui-ci n'enseignera plus pas gè ça encore parce que l'esprit a c'est dans cœur lié vide la combler m'a besoin enseigner besoin à parler à travers pour les prédestinés les sauver qui gè tan gè l'esprit dans cœur et puis parole là à développer au jour le jour mais
leur arrivé pour Hébreux 13:8 adresser totalement à mon esprit à dans cœur. La difficile pour comprendre moi. Parce que si l'esprit a nan écrit, si parole là l'esprit de Dieu au dedans de loi li nan kèm li au dedans li écrit nan kèm, et ben voilà, donc la difficile pour comprendre moi. Et prophétie a dit celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez-vous l'Éternel, ou pas besoin de demander monde parce que l'esprit est dans le cœur. Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront, parce que tout monde qui peut connaître Christ connaît déjà, pas besoin de demander, pas besoin de demander sœur Bernadette est-ce qu'on connaît l'Éternel. Il doit connaître déjà parce que loi écrit en dedans et puis li écrit dans quel vide la comblé. Le vide la comblé, mais pour raison ça, moi pas croire dans fabrication. Diable cap manger moun, diable cap troubler moun, diable que ceci. Côté yo vin avec une compilation de, c'est parce que l'esprit a beaucoup en dedans. Pour l'esprit en dedans, gen bagay pasteur yo a vinn di ou. Évangéliste a vinn di ou pa fè ka de yo parce que l'esprit a nan cœur, li écrit dans cœur. Donc ou connaît Dieu par là déjà, donc pa gen moun ki capable. Enseignons encore parce que l'esprit a en dedans, loi écrit sous cœur vide la comblé. Mais voilà pourquoi qui fait malaise dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi que moi parler à tout avec un gosier qui vraiment wow pour prôner la parole de Dieu à travers le monde, parce que l'esprit loi il n'a comme vide la combler. Jalousie aller, orgueil aller, le moi aller, donc tout ça on connaît qui cabaille problème automatiquement l'esprit. Et c'est peut-être ça en pile monde qui paraît mais la grâce infinie de Dieu, donc yo dit yo poko sauvé, donc y a goumé etc. parce que l'esprit a poko écrit dans cœur. M'a dit tout le monde bonsoir, merci parce que vous êtes avec édition Hébreux 13:8 qui c'est le livre des livres qui est très important, espérant que on va nourrir à travers la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas oublier, nous arrivons dans un moment côté loi bon Dieu hein, doit écrire, doit en dedans, li doit écrit sous cœur et automatiquement écrit sous cœur, donc vide qui permet jalousie, raïssement, parler moun mal, orgueil, brutalité, violence, tout ça qui paraît indécent, donc ou après ou animé de yon lot esprit, totalement, automatiquement, l'esprit a loi de Dieu écrit sous cœur dans nouvelle alliance. Non pas c'est David Sirail, nous saluer c'est Bernadette Mathurin, c'est Carole Nazaire, et toutes bien aimées qui rendent ministère ça grandit et permettent tout le monde capable de pas oublier. Nous venons dans le temps, c'est pas temps pour m'enseigner encore, mais c'est temps pour nous capables manifester l'esprit ça qui n'a que nous, qui comblent que nous, qui permettent nous content ensemble et pour nous capables vivre la gloire de Dieu. N'a dit tout le monde bonsoir et passez une très bonne semaine. Pas oublier, chaque dimanche à partir de 10h30, nous commençons culte de louange et d'adoration et sur les ondes et à travers télévision. Et bien, n'a dit tout le monde bonsoir. N'a souhaité un bon week-end. Pas oublier, 4 juillet pour monde qui cap fêté yo. Donc si ou a bien pour boire yon ti whisky et rete la caillou pa le prend machine conduire, pas oublier prend pile précaution face à maladie et coronavirus, donc il toujours là, prend pile précaution, pas quitter moun di ou vinn l'église
c'est là où on béni, on manque de prier, pas quitter le monde dit ça. Prends promesse ça qui accompli dans le cœur là, dans Jérémie 31. Donc, il est montré ça. Et loi dans le cœur, donc il écrit dans le cœur, donc il le connaît. Ou pas aller nous assembler pour nous apprendre quelque chose, mais nous venir pour nous capables de glorifier le Seigneur ensemble. Merci pour tout le monde qui t'a écouté. Nous souhaitons une très bonne soirée et à la prochaine. C'était Zamiou, frère David Sirail. Bonne nuit tout le monde.